son véritable combat, c'était de réaliser des films malgré la fatigue physique, la maladie, la souffrance du corps. Son rêve le plus cher, c'était de partager sa passion pour le 7e art avec des millions d'Algériens qui l'aimaient tant. L'important, c'est que Gérard enjambe le bois. Grâce au plus qui sera dans ta poche, un court-circuit se produira dans sa tête et il tombera fort en dehors. سربح اسربح اسربح يا عمريه سربح يا عمريه اسربح سربح اسربح C'est encore une fois une grosse perte, une icône quand même du cinéma algérien. On l'appelait le Marcel Pagnol algérien. Ces dérisions sont uniques. J'étais à la rue Didou, je venais juste d'arriver, je descendais du taxi, j'arrivais. Ma fille qui me téléphone, parce qu'elle est journaliste à Horizon, elle me dit « Papa, ma smash ?» Non, non, je suis Mahmoud Daimullah. Oui. J'ai failli... ma femme. Oui. Et là, c'est parti, bon. Ouais. Et c'était vrai, j'ai confirmé, c'était vrai.